Ça va, Myriam? Oui, allô, je m'excuse du petit retard. Aujourd'hui, je me sens pas beaucoup impactée par les lundis d'habitude, mais aujourd'hui, je me sens très impactée par le lundi. C'était une fin de semaine courte. Donc, si je te demande comment ça va, tu me réponds comme un lundi. Comme un lundi, exactement. Toi, comment ça va, Yori? Ben ça va, écoute, comme un lundi, on essaye d'oublier ce qui s'est passé la semaine d'avant, puis on avance. Écoute, c'est Les plein de mots relations internationales, d'espoir, tout ça. je pense que les difficultés dans la tech, on le dit pas assez souvent, mais c'est l'humain. La technologie, c'est plus facile à comprendre et à gérer. Mais bon, En tout cas, ça fait ce que ça fait ce que tu lui dis de faire. Il oui, va avoir une ligne exact. de code quelque part qui va l'expliquer, c'est sûr. C'est ça. Il y a une logique. Et puis des fois, je perds la logique chez l'humain parce que j'ai pas la même. Mais c'est correct, C'est ce c'est qui correct. rend l'humain si attachant, génial, et créatif, et imaginatif. C'est beau. Oui, on est des belles machines, mais parfois, c'est trop pour moi. C'est trop. En tout cas, bonjour aussi aux viewers, aux nouveaux, anciens. Ça fait très plaisir, en tout cas, de revoir des noms qui reviennent. Et aussi, tu sais, on a eu un coup de pouce la semaine passée de Sylvain. Donc, un gros merci encore. On a des petits nouveaux et des petites nouvelles qui nous regardent. Puis, n'hésitez pas à nous donner du feedback. On aime ça. Oui, merci Sylvain. Puis on a aussi des gens qui nous suivent parce que qui sont venus à ma présentation mercredi passé. Fait qu'on a eu Exactement. fait qu'on a commencé en fait à un peu plus parler de ce channel-là. Fait qu'on va avoir de plus en plus d'amis, on espère. C'est ça. Petite clarification, je sais qu'il y en a qui ont demandé les sous-titres en une autre langue, mais l'idée c'était aussi d'avoir les personnes malentendantes qui puissent, nous on puisse voir les sous-titres si on dit des choses qui sont mal traduites, etc. Donc c'est une accessibilité dans ce sens-là. Ça ne veut pas dire qu'on fera tout en français toute notre vie, mais là c'est le but, en tout cas sur cette émission-là. Oui, on a déjà discuté la possibilité de les faire en anglais, tu sais, on est tous les trois bilingues. Puis je pense que ça va arriver par pression sociale à un certain point, mais on va probablement garder des épisodes en français parce que c'est quand même quelque chose qui manque énormément dans la communauté. Puis il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont en computer graphics en français. Puis ça peut être plus facile pour plusieurs personnes d'apprendre leur première langue. Même si on est dans une industrie majoritairement anglophone, fait qu'il y a aussi cet objectif-là qu'on essaie de remplir. Mais c'est sûr qu'il va y avoir du contenu anglophone avec le temps. Si, tu sais, si notre communauté croit, ça va arriver, ça va être organique. C'est juste qu'on va toujours garder un petit peu de français aussi dans nos trucs, ça nous tient à cœur. Effectivement. Et puis il y a d'autres langues. Donc, si vous voulez vous intéresser à notre collectif, n'hésitez pas à nous contacter. Les langues ne sont pas forcément orales, donc sachez-le, moi ça ne me gêne pas du tout. Il faut qu'on soit plus inclusif dans notre industrie, puis ça passe par nous, représentants de l'industrie, je pense. Yes. Est-ce qu'on se lance Vas-y, j'allais te dans demander. Oh là là, on est les tellement matériaux? synchronisés. C'est merveilleux, c'est merveilleux. J'ai même déjà préparé à quel slide on en était. Regarde ça. Wow, t'es tellement prête. Non, je fais tellement bien semblant d'être prête. C'est ça le... Fake it till you make it. Well, you made it this day. Today, you made it. En tout cas, on a commencé, je ne sais pas si tu te rappelles,
à regarder comment ça scaler. En particulier, ben là, j'ai déjà commencé la slide d'après, là. Mais est-ce que tu te rappelles un peu de ça? On disait closure, c'était le terme qu'ils avaient utilisé pour expliquer ces espèces de structures dans lesquelles ils allaient mettre en fait tous les, si j'ai bien compris, toutes les variables qui vont être utilisées après pour faire les opérations de lighting et qui vont rouler en parallèle. Et ils disaient, hey, il y a une explosion du compte, du nombre de closures. Comment tu sais qu'on fait? Ben, c'est nos résultats intermédiaires, dans le fond, la closure. C'est ce qu'on calcule pour chaque slab. Ça, c'est OK. Et c'est ça, il y Puis après, avait. nous, ce qu'on veut, c'est le. Ce que j'allais Non, dire, c'est vas-y, après ça, vas-y. nous, ce qu'on veut, c'est trouver le résultat final. Ouais. Puis c'est là qu'on C'est est. possible en real time. C'est possible. Ouais. Parce que ce qu'on avait vu quelques slides plus tôt, c'est que ben, si tu commences à empiler différentes slabs avec des coverages différents, des transmittances différents, etc., on se retrouve, ouais, c'est ça, comme Yuri a dit, dans une explosion de combinaisons. Puis ben, la complexité de tout ça n'est pas triviale non plus, là. Comme la transparence, différents blends horizontaux, verticaux, etc. On commence à se rendre dans quelque chose qui va être difficile à faire en temps réel. Et donc, je me rappelle que Sofiane sur des lives avait un peu hinté sur ils vont sûrement simplifier ça. Et donc, je suppose qu'on va sûrement voir ça, peut-être aujourd'hui. Allons voir ça. Mais ouais, il faut que ça tourne. Ok, veux-tu commencer? Ok, j'allais poser la question, mais t'as posé en premier, t'es plus rapide. ce qu'on va faire, c'est comment on va scaler. Donc, donc le scaling pour ce, je sais qu'on m'a posé la question la semaine passée en privé. Scaler, c'est s'assurer que nos algorithmes, ils tournent de façon, on va dire, de performance équivalente sur les plateformes. Donc, si je peux, de préférence ici, les plateformes, justement, c'est ça qu'ils vont dire. C'est du mobile aux dernières générations de consoles. Et donc, comment on fait pour s'adapter pour que ça roule partout? Voilà, je reprécise ça. Donc, le scaling de la complexité visuelle avec la performance. Donc, maintenant qu'on a le nombre de closures sous contrôle, il va quand même falloir scaler, s'adapter en fonction des plateformes qu'on va viser, évidemment, des settings de quality. Pour ceux qui ont joué à des jeux récemment, il y a toujours sur plein de jeux du high quality, etc. Moi, je trouve ça un peu bizarre que ce soit pas fait automatiquement encore, mais ça existe encore. Mais sur Roblox, c'est Et oui, automatique. pour ceux qui étaient là en particulier à la présentation de Myriam mercredi, vous en avez su plus, il me semble. Oui, on en a parlé. Ce sera disponible d'ailleurs en ligne, cette présentation, on pourra la revoir. Non, ça ne doit pas être enregistré. Ça me ferait plaisir de la redonner, mais il va falloir que j'aille les approbations de communication séparément parce que c'est pas la même chose de le faire en live versus d'avoir quelque chose qui est Certain. enregistré à tout jamais. Ok. Non, c'était juste pour par curiosité. Ok. Si jamais ça se fait, ben dis-nous. Moi, je serai la première à écouter ce que tu as à nous dire. Yay! Donc, par exemple, il va falloir qu'on adapte quoi? La qualité du shading, donc des algos de lighting, hein. Les features qu'on va avoir ou pas. Par exemple, est-ce qu'on va aller voir si on a une rugosité constante, si on va avoir des réfractions, si elles sont les réfractions qui marchent avec les surfaces rugueuses, des choses comme ça. Et évidemment, qu'est-ce qu'il faut adapter quand on est en differed lighting, differed shading? Il va falloir que tout ça rentre en mémoire dans le Gbuffer. Et ça va être représenté par un ensemble de pixels
un ensemble d'octets, de bytes, par pixel, et on ne va pas pouvoir dépasser. Lorsqu'on va passer en forward, c'est un peu plus libre, mais il va quand même falloir que ça tourne sur mobile, et donc on ne va pas pouvoir faire plus d'évaluation qu'une closure par pixel. Ok, même, c'est vraiment pas beaucoup, hein, une closure par pixel. Non, okay. C'est très peu. Donc ça, c'est résumé ici. Comme tu vois, donc, les plateformes, on en parle, donc mobile, Switch, qui sont à peu près équivalents. Les consoles next-gen, qui sont plus next-gen, plus c'est current-gen, PS5, les Xbox. Et évidemment, PS4 est énormément présent sur le marché, Xbox One aussi. Et évidemment, les différentes configurations de PC. Je ne sais pas s'ils ont Mac, je me demande. J'ai un truc que je me demande parce qu'ils mentionnent Switch et mobile, puis à la limite Switch c'est encore correct, mais pour mobile, je vois pas comment ça peut fonctionner du tout. Parce que, ben, en même temps, ça dépend toujours quelle plateforme mobile que tu vises, mais tu sais, on travaille avec des tile-based GPUs, puis fait que ça peut limiter la performance de ton GBuffer. Ça peut rendre ça assez compliqué là, de pouvoir. Puis déjà, ça nous coûte cher, tout ça. Fait que. Ouais. Il va falloir lire plus pour que je sois convaincue pour le côté mobile, parce que juste pour l'instant, moi, j'avais assumé que c'était une technologie super cool, mais qui fonctionnerait, malgré tout le scaling, toutes ces choses-là, qui fonctionnerait seulement sur PC et plateforme console. Ouais. Moi, ce que je me dis pour mobile, c'est que ça doit être les mêmes contraintes qu'ont HDRP sur Unity, avec mobile compute only et peut-être c'est les mobiles plus dernière génération qui sont d'ailleurs plus puissants qu'une Switch. Donc, je dirais que peut-être le spec, c'est peut-être la Switch. Et mobile, c'est okay. Sûrement le... Moi, c'est ce que je ferais à leur place. Surtout, tu sais, ils mentionnent pas... je trouve que la grosse absente pour moi de tout ça, c'est est-ce qu'il y a du VR ? Parce que juste après, il mentionne 120 Hz. Et on va arriver dans... On n'a plus beaucoup de millisecondes, là, par frame. Donc, ouais, je suis très curieuse. Ouais. Je pense qu'effectivement, si on parle de mobile high-end, comme tu dis, peut-être. Mais j'ai vraiment des gros doutes que ça peut aller sur... En tout cas, en ce moment, la population n'a pas en majorité des devices high-end. Fait que si on parle de mobile façon générale... En tout cas, l'Europe, Amérique du Nord, c'est certain que non. Mais il me semble que sur certains marchés asiatiques, donc je pense plus... si je me rappelle bien, c'est Corée, Singapour, Japon, une partie de la Chine... à majoritairement les dernières technologies mobiles, mais par contre, tu as une autre partie, je ne sais plus comment ça s'appelle, la péninsule où il y a la Thaïlande, etc., qui eux sont sur des... Asie du Sud-Est, merci. Inde, je crois que c'est un mélange, souvent c'était où est-ce que tu es. Il y a peut-être des marchés qui existent, mais peut-être pas chez nous. Oui. Ben, il existe définitivement, mais c'est pas global. Fait que, si on parle d'aller chercher une population majoritaire, ça fonctionnera pas. Mais c'est peut-être pas ça l'objectif non plus. Peut-être pas. Ok. Y avait-tu d'autres remarques de ton bord, Mathieu? Ok, pareil. Je te laisse prendre la slide d'après. Ouais. Ok. Fait que pour... on a le matériel à gauche qui va être notre exemple ici en orange. Puis, pour cet exemple-là qu'on considère complexe, qui va avoir justement du mélange horizontal et vertical avec des slabs qui sont layered horizontalement et verticalement. La question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on est capable de simplifier cette table-là pour réduire la quantité de closure qu'on veut sortir. Il faut qu'on se rappelle qu'une slab, c'est une représentation de la matière utilisant des principes, on dit fortement principled, finalement. Donc, on comprend que ces composantes, on comprend ces composantes,
Puis on est capable de réfléchir à comment il faut qu'on combine ces différentes syllabes-là. Donc, notre solution pour simplifier le problème, c'est d'avoir un... Ben, on appelle ça finalement... Notre simplification s'appelle une simplification progressive de larves en utilisant des paramètres de blending pour chacune des syllabes. Les descriptions, dans le fond, de ces paramètres-là, comment est-ce qu'ils vont être utilisés, vont suivre des règles empiriques. Si c'est pas suffisant, mais déjà, il nous l'introduit, mais on sait pas c'est quoi. Mais mettons, on va prendre ça pour du cash pour l'instant. Puis si ça, c'est pas suffisant, on peut simplifier encore plus en désactivant certaines features particulières de Substrate. C'est important de noter que ça serait pas possible de faire ça avec ce qu'ils appellent une soupe de BSDF. Beaucoup de BSDF en opposition à MDL ou Matériel X. Donc, ça, Yori, moi, je comprends pas tout à fait cette phrase-là. Est-ce que ce qu'il dit, c'est si tout était représenté avec des BSDF et non par MDL ou Matériel X, ça serait pas fonctionnel? Ou c'est l'inverse? Non, ce que je comprends, c'est que Matériel X et MDL sont deux formats de représentation tellement libres qu'on n'est pas capable tellement libre, et c'est ce qu'il a appelé la soupe de BSDF, qu'on ne va pas être capable d'utiliser des règles empiriques pour simplifier. Donc en fait, si je comprends bien, ils vont dire on ne propose pas tout. Pour ce qu'on propose, on a des règles de comment on peut les simplifier ensemble. Et tout ce qu'on ne sait pas simplifier ensemble, on va le disabler, je suppose. C'est ça que je ne suis pas sûre, mais c'est ce que j'ai compris, en tout cas, jusque-là. OK. En passant, nos viewers, vu qu'il y a des nouvelles personnes, sachez que si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à nous écrire dans le chat. On lit tout. Ça. Pour continuer ce point-là, parce qu'il y a de la BSDF spéculaire puis diffuse. OK. Une BSDF spéculaire et diffuse ne peut pas être combinée, par exemple. Dans Matériel X et MDL ou juste en général? Je pense qu'il veut dire en général. Ils sont pas capables. C'est pas très clair. Moi non plus, je suis pas sûre de savoir ce qu'il veut dire par est-ce que du fait qu'on a une BSDF différente pour la spec et la diffuse, ça représente deux choses différentes, deux réactions de lumière différentes, donc on peut pas les combiner. Et je ne sais pas si combiner veut dire combiner les nœuds ou il veut dire simplifier. Tu vois? Ouais. Il manque de... Je suis pas mal sûre qu'on va rentrer dans son arbre progressif simplifié. Fait que peut-être que ça va nous éclaircir un petit peu tout ça. Après, dans le texte comme tel, il ne spécifiait pas c'était quoi les features qu'on allait désactiver. On n'était pas capable d'assez simplifier, mais dans la slide, il donne les exemples du subsurface scattering, du fuzz, etc. Fait que nos features, finalement, qui sont plus chers, c'est ça qu'on finirait par retirer si ça coûte, si on n'est pas capable d'atteindre une performance qui est satisfaisante. Allons voir si on est capable d'avoir plus de détails dans les slides suivantes. Ah, un exemple simple. Donc, on a en premier, une slab A avec une diffuse, un Fresnel, donc la réflectivité qui est donc avec le F0, le F90 et une normale. Ok, donc diffuse, réflexion et normale. On a une slab B qui n'a pas la même diffuse et pareil, réflectivité normale, F0, F90. Donc, si on se dit qu'on va les mélanger horizontalement, il suffirait de faire un LERP.
Donc là, on le voit à droite ici, c'est quand on est au maximum de slab B, et à gauche, on est au maximum de slab A. Alors, je mets droite et gauche, mais je ne sais pas si c'est inversé sur le stream, donc bon. Je pense que c'est correct. C'est... Ok. C'est pas inversé, tout est beau. Et mix, ben, c'est ça. C'est, on se met, quand je suis au milieu ici, là, j'ai autant de la réponse de A que de B. Et on fait ça pour tous les paramètres. Ok. Bon, ça, ce serait la première simplification en horizontal blending. Est-ce que tu veux continuer la slide d'après? Oui. Ok. Ben, la slide suivante, en fait, je vais faire les deux slides suivantes. Fait que la prochaine, ce qu'elle dit, c'est... Là, ce qu'on voit ici, c'est notre matériel par défaut avec toutes ces lobes. Il y a trois closures qui sont conservées dans 72 bytes. Il y a trois lobes parce qu'il y a trois slabs? Slabs. Ok, ouais, c'est ça. Je ne sais pas sûr pourquoi ils utilisent le mot lobe ici, mais j'assume que c'est ce qu'on, c'est de ce qu'on parle. Okay. Parfait. Ensuite. Vas-y. Ouais, l'autre d'après, en fait, ça va être la slide 61. Fait que c'est l'autre suivante. Oh, c'est correct. Excuse, je suis peut-être pas timée. Je suis peut-être pas timée. Non, il y a un délai. On a un délai sur le stream. On a un délai. Ok. Ok, ok, ok. Excusez. C'est correct, c'est correct. Ok. Fait que, c'est ça. On peut simplifier ce matériel-là en utilisant des paramètres de blending pour l'opérateur horizontal mix en premier. Parce que on commence à... C'est quoi le verbe? Qu'est-ce que margin veut dire comme verbe dans ce contexte-ci? Because we start by margin the subtree. De ce que je comprends, c'est juste qu'on commence par là où c'est le plus profond dans l'arbre. C'est ça que j'ai compris. Ouais, c'est ça. Moi aussi, c'est ce que je comprends. Je comprends pas ça. Oui. Ok, donc. On commence par les notes les plus basses. Ah, merging! Je pense que c'est merging. Je pense, j'ai réfléchi, je me suis dit... Attends, imagine, j'étais en train de le taper. Parce que moi aussi, je fais des... Tu sais, des fois, je pense à un mot, mais je me rappelle juste de la sonorité, puis j'en écris un autre. J'ai cette tendance. Ça marche. Fait que ici, parce que notre opérateur le plus bas, il est horizontal, c'est par là qu'on va commencer, puisqu'on commence vers le fond de l'arbre. Puis dans ce cas-ci, on va se retrouver avec deux slabs qui vont nous donner deux closures qui vont être conservées à 48 bytes. Okay. Donc, c'est 24 bytes par closure. On est d'accord. Dans ce cas-ci, ouais. Non, en général, tout le temps. T'as raison. Non, pas vrai. Si, 48 plus 24, ça a fait 72. Oui, mais lis la slide suivante. Oh, il y a des feintes. Ah, mais non! Ok, je vais lire la slide d'après. Donc, et au final, on va encore simplifier le matériel en utilisant une nouvelle fois du parameter blending. Mais cette fois, au lieu que ce soit à l'horizontale, c'est pour l'opérateur vertical. Puisqu'on va commencer, c'est la même chose, hein. On commence du plus profond puis on remonte. Et dans ce cas-là, on a juste un slab, ce qui va être que 12 bytes. Mais je me demande, ok, s'il n'y a pas que un slab, enfin il n'y a pas que 12 bytes, parce que finalement, tu n'as plus besoin de représenter, tu sais, il y avait une partie où tu storais en double où t'en étais, puis tout ce qui sortait, ou tout ce qui arrivait à ta slab. Je pense qu'il y a peut-être cette simplification-là qui est arrivée. Ouais, ça ferait bien du sens. Ok. Ok, ça finit comme on ça. Pas... ouais. C'est ça que j'allais dire, on n'aura pas la certitude, mais c'est ce qu'on en comprend. Y a-t-il des slides extra là-dessus? Que... Oui, il y en a. Parce qu'on les a vus la semaine passée, là, on est allé voir certaines slabs extra, mais les slabs extra sont encore plus mystiques.
Mais je ne sais pas s'il y en a sur ce sujet-là spécifiquement. Là. C'est ça peut-être ta question, je m'excuse. Ah, ouais, non. Non, c'était ça. Bon, ben, allons voir la suite. Peut-être ça répond à nos questions parce que ça parle de data et c'est un peu ça la question. Ouais, allons voir. Maintenant, par contre, ce qu'on va voir, c'est les closures qu'on va générer. Il faut qu'elles respectent aussi les contraintes de la plateforme sur laquelle on va lancer le jeu. Et donc, on va aller voir ça. Je te laisse. OK. Donc, la philosophie ici, c'est que tu devrais seulement payer en mémoire et en coût d'illumination pour qu'est-ce que tu utilises réellement. Ça fait bien du sens. On peut adapter notre mémoire par pixel, puis le footprint mémoire, de telle sorte à ce que le coût mémoire va s'adapter à qu'est-ce qui est vraiment vu à l'écran. Ça va rester cheap si la majorité des matériaux sont simples. Mais ça va aussi nous permettre quand même d'avoir des matériaux plus complexes dans certaines scènes. Donc, ce qu'on veut, c'est que la majorité de nos matériaux soient simples, mais ça va, tu sais, on utilise le terme hero là, pour dire quelque chose qui est vraiment accentué ou dans notre face, là, qui est super important pour nous. Ben, eux, ils vont pouvoir être plus complexes. On va avoir un petit peu Budget, de finalement. budget, c'est ça, supplémentaire pour ça. J'allais dire wiggle room, mais après ça, je me suis pris, puis j'étais comme, c'est quoi le mot en français? Puis là, mon cerveau a juste crashé. Fait comme plusieurs de vous le savez déjà, en tout cas, c'est ce qu'ils disent dans la slide, je sais pas si je le sais. Mais Unreal Engine a plusieurs lighting paths. Ah oui, ça, je le savais. OK, merci. Donc, Du suspense. oui, il y a deferred, où les closures vont être storées dans le JBuffer en premier, puis ensuite va être lu durant la Lighting Pass. Cool. En forward, la lumière va être évaluée en même temps que la première passe, finalement, base pass. Cool, OK, ouais. Dans Lumen Ray Tracing, le matériel va être storé à l'intérieur du payload de Ray Tracing. C'est quoi le mot payload? Je C'est pense que juste payload, la force que l'information qu'on va donner au Ray Tracer finalement. je pense que c'est les structures d'optimisation pour le ray tracing. Ouais, mais j'ai jamais Il y a des entendu ça. J'ai structures fait du Ray Tracing. spéciales pour OK. certains. Je Je pense connais que pas le ray tracing dans Unreal de toute façon, fait que moi non c'est plus. peut-être un Donc terme aussi je me, qu'utilise mais particulièrement là-dedans. je pense qu'on a l'idée anyway Ouais. de qu'est-ce qu'il veut dire, ouais. Puis il dit similairement en path tracing. OK. Ici. Juste voir s'il y a quelque chose de plus sur la slide Moi, j'ai une question pour toi. Quand il dit similairement, path tracing, toi aussi, tu comprends similairement à l'human ray tracing, on est d'accord? Ouais. Ray tracing et path tracing, en général, même affaire. Ben, c'est pas la même affaire, mais c'est la même affaire. On Ouais. se comprend. Same, same, but different. OK. Fait que ici, ce qu'il dit sur la slide, c'est ce qu'on a déjà dit. Il ajoute quelque chose qui dit fast standard use cases 80-20. J'imagine que ce qu'il veut dire ici, c'est ce qu'on avait dit tantôt, que la majorité, tu sais, tu voudrais peut-être un 80% de tout qui est simple, 20% de trucs un peu plus complexes. Si on est content, on rentre en budget. Ouais. OK. La chose Il dit, qui ça nous requiert. Ben, c'est ça. Plus bas, ça nous dit, la plupart des paths vont nous requérir souvent de garder en mémoire de l'information intermédiaire. Ici, c'est ça, on dit, on a nos material paths qui, pour le deferred, on a nos material paths, puis on va traduire ça de notre app vers les closures. Puis après ça, on fait la lighting pass, comme on a dit. Forward, on fait le matériel et le lighting pass en même temps, effectivement.
Puis, ouais, t'sais, dans le fond, en ray tracing puis en path tracing, ici, c'est on va traiter le matériel qui est le plus près de nous qu'on va avoir frappé. Puis par matériel, on inclut toutes ces slabs, là. C'est juste que c'est l'objet le plus proche du rayon, finalement. On va calculer celui-là puis son matériel. Puis, il y a quelque chose qui s'appelle Regen Pass puis Core Loop Pass dans le ray tracing puis path tracing. C'est une affaire qui semble très spécifique à Unreal. J'ai jamais entendu ça. D'accord. Moi, ce qui m'a étonné sur cette slide, en fait, c'est qu'il dit, enfin, de ce que je comprends, lorsqu'il utilise le deferred, il y a jusqu'à n closure, alors que quand tu es en ray tracing, tu n'en as que 0 ou 1. Donc, je ne sais pas si c'est une limitation de par être en ray tracing, ou si c'est une limitation qu'ils se sont donnée, eux, pour... les performances. Mais Parce que même si tu hits bonne quelque question. chose, il a quand même son arbre d'évaluation. Donc c'est quand même peut-être plusieurs closures. Ou j'ai peut-être pas compris. Peut-être qu'il me manque de quoi là. Comme connaissance sur le path tracing. En fait, moi, je serais surprise parce que là, on dit que dans notre debuffer, on est correct de storer 0 à n closure. Mais on ne voudrait pas en avoir plus que un dans le path tracing. Peut-être que c'est parce qu'il y a un niveau de complexité, parce qu'on rentrerait pas en même. Peut-être qu'ils ont trop peur que ça va pas rouler en real time, vu que c'est déjà tellement demandant de faire du path tracing ou du ray tracing. Mais justement, habituellement, tu vas juste rouler ça sur des machines qui sont plus puissantes. Fait que, je sais pas, il me manque un peu d'informations, je pense, moi-même, pour être capable de faire des déductions. Si vous savez, n'hésitez pas à nous le dire, on sera ravis. Oui. Vous pouvez poser des questions en chat, mais nous expliquer les choses aussi. N'hésitez pas. But, c'est quand même d'apprendre ensemble. Ok, bah, peut-être qu'il y a un exemple alors. Attends, peut-être qu'on va voir la réponse. Donc, il va nous dire, regardons deferred. Ok, en premier. On va regarder ce qui se passe sur la durée de vie d'un matériel. Donc en premier, on le compile. Si le compilateur, oui, c'est ça, identifie des slabs qui seront toujours avec un poids de 0 hein, quand ils font leur pondération, alors ça va être curlé, donc ça va être ignoré à la compilation statique après que le code ait été flattened, je ne sais pas comment le dire en bon français. Était mise à plat. Bon, on comprend l'idée. On enlève tout ce qui a un poids de zéro puisque de toute manière, ce sera jamais évalué. Voilà, c'est comme ça que je le comprends. Deuxième étape, je vais peut-être zoomer out pour qu'on le voit en même temps. Lorsque ben, on va faire tourner notre programme, à un moment donné, notre shader, il va être exécuté. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on a dit? On avait dit que les closures elles vont leur être évaluées et évidemment écrites dans le debuffer. Si une closure, à ce moment-là, elle se retrouve avec un poids de 0, on va tout simplement skipper cette étape-là, on ne va pas la faire et elle ne va pas se retrouver dans le debuffer. Donc là, maintenant, on a notre debuffer, c'est ce qu'on voit ici. Donc, qu'est-ce qui se passe plus tard? La deuxième passe, on est en differ, on se rappelle. La passe de rendu, donc de JBuffer vers notre écran, le lighting pass. Cette fois, on va lire le contenu de notre JBuffer, qui sont les closures, et on va faire notre évaluation de lighting là-dessus. Ok. Pour moi, tout ça jusque-là, c'est logique, je suis d'accord. Toi Ouais. aussi? Ok. Mais j'ai l'impression que jusqu'à maintenant, c'est surtout ce qu'on avait vu. En tout cas, ça sonne comme à peu près tout ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant. Puis j'avais assumé jusque-là que justement, on gardait tout dans les G-buffers. So, ça marche pour moi. Est-ce que tu veux justement qu'on regarde un peu plus le debuffer, tu veux le faire? Tu veux que je fasse? Qu'est-ce que ta préférence? Ah, ben fais-le. Moi, je vais faire la C'est parce que prochaine c'est slide. C'est après, comme la. Ouais, ça fait juste ajouter sur la même slide. Fait que. Ok. Donc, on regarde maintenant un peu plus en détail comment on va utiliser justement ce debuffer. Donc,
qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on va stocker dans notre JBuffer le résultat des closures. Donc, la structure dans laquelle on va stocker notre transmittance, notre coverage. Le packing dedans va être agressif pour utiliser le moins d'octets possible. OK. Le JBuffer va enregistrer dans les premiers bits. Ok, ouais, je lis toute la phrase avant d'être sûre de comprendre. Donc, lorsque on va évaluer notre JBuffer et qu'on lit les premiers bits, en fait, ça va nous expliquer la complexité de chaque pixel et on va pouvoir catégoriser finalement les tuiles qu'on a à l'écran en fonction justement de cette complexité. C'est une complexité de shading. Est-ce qu'on a une slab qui est toute simple? Est-ce qu'on a une slab avec des features, par exemple, les paillettes, qu'on avait dit, le glint? Moi, j'adore dire paillettes, donc je voulais le dire. Est-ce qu'on a un blending de multiple slabs, etc., etc. Ça, c'est notre complexité. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, c'est la classification. Et ensuite, au moment du lighting, on est toujours sous forme de tuiles, hein, on est en tiled. Donc, on va pouvoir optimiser le code des shaders de façon à lire et processer nos closures de façon efficace. Ça va en gros permettre de réduire la pression sur les registres, donc je suppose scalaire et vectoriel, améliorer notre occupancy et donc réduire le coût sur le GPU. Ok, donc attends. Quand ils storent l'information, ils font un packing spécial. Après, ils font une classification par tuile pour pouvoir dire, attends, quand c'est simple, par exemple, j'ai qu'une seule slab, on va faire toutes les tuiles simples ensemble avec une version de notre shader. Moi, c'est comme ça que je comprends. Hein. Tu me dis, après, on va dire, bah, ça, c'est un peu plus complexe, donc on a un peu plus d'infos. Donc, toutes ces tuiles-là, on les règle ensemble. Puis après, on va prendre les vraiment expensive, les très complexes, et on va toutes les faire ensemble. Est-ce que tu as compris ça aussi? Ça a l'air de ça. Est-ce qu'on les fait indépendamment? Ce que je me demande, c'est plutôt... Parce que, ouais, on les classifie par complexité. Parce que tu vois, c'est ces trois petites... Oui, puis c'est ça qui dit que ça réduit la pression sur les registres, ouais, de les faire indépendamment. Oui, oui, ok, ça fait du sens. C'est comme ça que je le comprends. Ce qui est en vrai pas bête, je me demande si ça s'adapte en simple, moyen et complexe, ou s'il y a une granularité plus grande. Tu vois, je me demande s'il y a un packing spécial ou... Peut-être pas pour le premier, là, juste une slab, je pense que non, mais pour les deux autres, je ne sais pas si c'était quality settings ou autre. Là. Je serais curieuse. Ouais. Parce que single, fait que c'est ce qui est en jaune, ça dit que c'est la slab plus features. Fait que ce que je comprends, c'est que c'est juste une slab quand même. C'est juste qu'elle a des features complexes, ça se peut. C'est ça que t'avais compris. Ce que je comprends, c'est ça, elle a peut-être de la transparence, du SSS, du glint. Alors que l'autre, c'est peut-être un matériel diffus, bien basique. T'as ton, ouais, albédo, tu blends, puis... Ok, ouais. Un opaque bien simple, je dirais. Je pense que c'est ça. Ok. Ouais. Si on est d'accord, explique-nous donc le culling. Ouais. Donc, ici, on a une petite illustration du culling dynamique des closures qui va se passer en real-time, comme ça a été discuté à la slide précédente. Ici, on peut voir deux slabs qui sont mélangées horizontalement. Ouais, fait que c'est notre exemple où est-ce qu'on a un quadrillé. Donc, ce qui est comme vert, c'est une slab, ce qui est métallique, c'est l'autre. Sur la table de classification, non. Sur la vue de debug de la table de classification à droite,
Mais c'est pas complètement à droite. C'est juste, dans le fond, c'est ce qui est vert. Au milieu. À droite du milieu. Ce qui a l'air vert, là. On peut voir qu'on va seulement payer le coût des tuiles complexes où le matériel va, en fait, nous résulter deux closures par pixel. Fait qu'en rouge, c'est là où est-ce qu'on a deux closures par pixel. En vert, on est correct. On est dans notre un count, une closure. Le closure qui a un poids de mélange de zéro, il est simplement éjecté de la passe d'évaluation. Fait qu'on, si le poids est de zéro, on l'ignore. C'est bien. Fait que ça, j'imagine, closure count. OK. Fait qu'en bleu, ce qu'on voit, fait complètement à droite. Ça, c'est deux debug view. Ce qui est complètement à droite, c'est, ça nous dit, dans le fond, le nombre de closures. Fait qu'on sait qu'en bleu, il y a une closure, en vert, il y en a deux. Dans cet exemple-ci, il n'y a pas de contexte dans lequel on a un poids de zéro. Fait qu'on voit pas l'éjection, mais on va assumer qu'il pourrait en avoir. Puis, au milieu, dans le fond, c'est là qu'on voit la complexité, du coup, finalement, j'imagine. Après, c'est un peu intéressant. Toi, tu le vois pas sur ta slide, mais il y a un dessin caché en dessous de la slide. Dessin caché? Ouais! Mais je suis pas capable de le lire, fait qu'on va l'ignorer. Ça dit okay. Dielectric layer, puis je suis pas capable de la draguer pour être capable de la voir, mais en tout cas, sachez okay. que cette slide a un dessin caché. C'est le Easter egg de la slide. Oui, oui. OK. Et ça, juste, c'est écrit, ça a été utilisé pour seulement coller les parties qui couvrent le coverage et la transmittance. Parce qu'on se rappelle qu'il y avait plusieurs passes. On calculait d'abord coverage transmittance, puis après on calculait out transmittance, ou je ne sais plus comment ça s'appelait. Mais il y avait sur les closures deux parties. OK. Mm-hmm. Moi, je pense que c'est bon, j'ai compris. Toi, c'est-tu correct? Ouais. OK. Alors, comment on stocke tout ça? Qu'est-ce qu'on stocke justement par pixel dans notre JBuffer où c'est pas vraiment un JBuffer maintenant, c'est un matériel buffer. Donc en premier, on a dit un header. Donc ça, il l'avait mentionné tantôt. Hein. Je sais pas si tu te rappelles, Myriam, il m'a dit on va lire les premiers bits pour comprendre la complexité. Je suppose que c'était ça. Donc je vais lire parce que c'est exactement ce qu'il dit. J'ai arrêté de supposer. Donc, dans le header, on va représenter la complexité du matériel pour permettre la catégorisation, donc la classification, et ça va nous donner également le nombre de closures, le nombre de basses tangentes, etc. Donc, je suppose, c'est un tableau dynamique et on nous dit comment le lire, quoi. C'est comme ça que j'imagine. Mm-hmm. Ensuite, après ce header, on a justement la liste de closures. Pour chaque closure, on va également associer le data utilisé pour les features qui ont été enablées. Donc, par exemple, si j'ai une closure qui dit j'ai besoin de subsurface scattering, on va voir que plus loin, on va avoir notre subsurface scattering data. Donc, closure header, closure data. Après tout ça, on a la liste des bases tangentielles qui sont utilisées par l'ensemble des closures. C'est vrai, il avait dit qu'il faisait une optimisation, il utilisait juste un pour tous, c'est vrai. Ça veut dire que si deux closures ont la même base, on va en écrire qu'une. Il me semblait que c'était une optimisation. Bon, j'ai pas compris. Oui. Non, mais oui, c'est vrai qu'on avait vu ça plus tôt. Okay. Et en dernier, il ne faut pas l'oublier, on va évidemment enregistrer le reste des datas. Par exemple,
la norma, la rugosité du data du layer le plus au-dessus, le plus proche de la surface, les data justement du subsurface clustering, on va dire par exemple, je ne sais pas ce qu'on pourrait avoir, ben, notre profil, notre kernel, etc. On va évidemment avoir d'autres données qui vont être utilisées par les post-process, comme le screen space reflection, screen space ambient occlusion, DF, c'est quoi DF AO? AO, c'est ambient occlusion, mais le DF, je ne sais pas ce que c'est. Depth field, je dirais que le F, c'est probablement un field. D, je ne sais pas. Tu veux demander à l'Internet, ça? Distance Field Ambient Occlusion. Ça fait beaucoup plus de sens. Ça donne à chaque fois la page de Unreal, donc ça doit être quelque chose qu'ils ont introduit. Ok, bon, je ne connaissais pas, peut-être qu'un jour on lira là-dessus. et ça permet quoi? Ça permet justement de ne pas avoir besoin de lire l'ensemble des datas du matériel, puisqu'on va avoir un endroit où on va stocker les données directement. Cette liste de données va donc s'adapter en fonction de la complexité de notre matériel et ça veut dire que ça va être packagé, packé de façon différente à chaque fois. Et donc, on le voit ici, la complexité, ce qu'on voyait tantôt, là, le code couleur. Quand c'est un matériel simple, ben en fait, on a besoin que du matériel header. Et je suppose de la partie rouge. Je pensais qu'en fait, les couleurs, celle-là et celle-là, elles étaient reliées. Mais pas du tout. Est-ce que tu peux me dire si tu comprends pas réellement ? Au minimum, j'ai mon matériel header, un closure header et un closure data, et c'est tout. Au minimum. Ouais, au minimum. Le cas le plus simple. Comme tu as un matériel opaque. Donc, je n'ai pas besoin des tangentes, je n'ai pas besoin du matériel top layer, ni rien. Ouais, mais, okay. Mais oui. Non, oui, je pense que tu as raison. Tu n'as pas besoin, parce que je pense que nos bases tangentes, on s'en servait-tu seulement pour pouvoir simplifier notre matériel? Non, ça doit être, je pense, suivant les techniques que tu utilises, les features. Okay. Pour moi, c'est ça. Ok. Quand un single, par exemple, si j'ai le SSL, il est pareil, peut-être j'ai que le matériel header, une closure header et data, et un SSS data, qui est, comme on va dire, le complément d'info. Mm-hmm. J'ai l'impression que c'est ça. Ok, c'est juste pour être sûr que j'ai compris. Ça fait du sens, parfait. Mais oui, tu as raison qu'on dirait que la façon que tu t'illustrais dans la slide, c'est comme si le top layer data devenait venir avec le SSS data. Ouais, hein? Mais je pense que c'est ça. Ça m'a l'air d'être ça. Oui, je pense aussi. Je pense que c'est juste pour nous donner des exemples. Okay. Ouais. Parce que ça pourrait être autre chose que SSF, tu sais. Fait que, ouais. Regarde. Qu'est-ce qu'on est forte. On devine les slides d'après. Ouh! OK. Par exemple, ça, c'est un matériel simple qui va seulement dépendre de la diffuse, la spéculaire, puis la roughness. Ça nous demande seulement 12 bytes de données. Fait que sur la slide ici, on voit qu'on a notre material header qui prend 2 bytes. On a le AO puis le layout type qui est de 1 là-dedans. Je suis pas sûre. Qu'est-ce que ça veut dire, layout type? Je pense que c'est la complexité. OK. Okay. C'est ce qu'il avait dit tantôt, qu'il fallait que tu mettes... t'expliques la complexité de ton matériel. C'est comme ça que je comprends. Okay. Ça marche. Ensuite, on a 6 bytes pour l'information de la closure. Où est-ce qu'on va garder l'information de notre F0, la diffuse, l'albedo? Et finalement, 4 bytes pour nos données du top layer avec notre normal puis notre roughness. Donc, on garde quand même le top layer finalement, même si notre matériel est simple. Et donc, en fait, j'avais faux aussi. Parce que moi, j'avais dit, on avait closure data et closure header, je pense. Attends, je remonte. C'est une slide. Closure data et closure header. On n'a pas ça, là. Donc, je ne sais pas si c'est...
En plus, il dit que ça, c'est optionnel, mais au final, même le cas le plus simple, il en a. Donc, je suis perdue sur quelle est l'optionnalité de la chose. Ben, je pense que ce qui est optionnel, c'est la donnée de SSS ou de nos features plus compliquées, là, SSR, SSAO, DFAO, tout ça. Ça doit être optionnel. C'est vrai que ça donne l'impression que le top layer devrait être optionnel, mais en tout cas, ici, on le garde. Ici, on va l'utiliser parce qu'on veut notre normal puis notre finesse. Ça, ça me semble. Ou pour du unlit, peut-être. Du unlit, ouais. Il n'y en a peut-être pas. C'est ça que je suis en train de me demander. Je sais que là, tu sais, mettons, on garde top roughness, mais mettons que j'ai pas de roughness puis que je suis juste entièrement me, peut-être que je suis capable de m'en débarrasser. Je sais même pas. En fait, c'est ça aussi qui me manque comme info. Peut-être toi, tu le sais. Est-ce que Unreal 5 a une gestion, on va dire, naturelle des unlit? Est-ce qu'il y a des unlit materials ou c'est juste pour le UI? Ils ont des unlit materials. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, une gestion naturelle, par exemple. Mais ils ont un shader qui s'appelle vraiment unlit. Okay. Puis ce que ça fait, c'est ça, ça donne un look UI, là, comme tu disais. Fait que ça fait juste ça fait une couleur flat. Je sais pas si Substrate va s'appliquer dans ce cas-là. Peut-être que le but, c'est que ça puisse fonctionner aussi. I don't know. Pour ceux qui savent, n'hésitez pas à nous le dire. OK. Est-ce que tu as le temps de regarder un exemple de plus ou on reprend ça la semaine prochaine? Ouais, en fait, on peut faire nos trois exemples parce que oui. Moi, ça me va. Faisons ça. OK. Je me dépêche alors. L'exemple d'après, c'est le single material. Donc, c'est, on a dit, une slab, mais avec une feature qui est enabled. Dans ce cas-ci, par exemple, c'est le haziness. Haziness, on est d'accord, c'est quand c'est un peu flouté, hein? C'est mm-hmm. le... Okay. C'est ce qu'il disait qui était comme... il avait aussi utilisé le terme « letter », je pense. Okay. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a toujours notre material header. Je crois que c'était 2 bytes pareil. Par contre, ici, on a un closure header. Je vais comparer avec avant parce que je ne me rappelle plus. Et on n'en avait pas avant. Donc, avant, le closure data faisait 6 bytes. Maintenant, il en fait 12. On a maintenant un closure header qu'avant, on n'en avait pas. Et on a toujours notre top layer data qui est constant. Et dans notre closure header, on a, je ne sais pas c'est quoi ce mot, mais on a le Fresnel 90 pour quelque chose. Ah, c'est est-ce qu'il y a du Fresnel 90, je pense que c'est has. Ouais, c'est has que ça dit. J'ai zoomé fort dessus, ça dit has. Ok. Et après, ben justement, on a l'information. En gros, est-ce qu'on peut lire l'information? Ok, c'est notre flag, finalement. Ok, et tout ça, ça va nous donner 20 bytes, 20 octets en mémoire. Ok, mais il n'y a toujours qu'une slab. Puis c'est ce qui nous permet aussi d'un peu mieux comprendre comment est-ce que cette utilisation de la mémoire-là, pourquoi elle variait aussi tantôt. Là. En tout cas, moi, ça me permet de mieux comprendre. Bien. Alors, finalement, on a notre matériel complexe qui va nous présenter plusieurs différentes slabs. On peut reconnaître le matériel opal. en fait, c'est la feature opal, de matériel opal de leur dernier démo GDC, Electric Dream. As-tu j'ai regardé la... Démo-là. Moi, j'avais dû le dire. OK, c'est bon. J'ai eu comme un stress. Fallait-tu la regarder avant? Non, c'était pas dans les prérequis. OK, mais on assume que c'est bien sa coche, ça méritait un démo marketing. Ça consiste à 2 height fields qui vont être Raymarch. Bon, je sais pas comment traduire ça, c'est des techniques qui ont pas vraiment de nom en français. Attends. 2 Raymarch height field slabs. Fait qu'on a 2 slabs qui sont Raymarch. Fait que j'assume qu'ils ont qui sont volumétriques. Avec des height fields dedans. Puis ils ont de la spécularité colorée layerée à l'intérieur d'un clear coat. Fait que, ben, en fait, on le voit quand même, là, dans l'image, là. Fait que bref, on a un clear coat. On a des sparks réflectif coloré à l'intérieur.
On a quand même de la dimension à tout ça. Ça ressemble à une peinture de char. C'est hot. C'est storé en utilisant une représentation générale d'un matériel avec des closures. Il va utiliser 76 bytes de données par pixel. Par pixel! OK. À chaque fois, c'est par pixel, hein, parce qu'on est en deferred. Donc, c'est notre C'est gbuffer. lourd. Oui. fait que dans notre material header ici, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir notre ambient occlusion qui va être stocké. On va déterminer que notre layout type est de 0. On a deux BSDF. Notre basis count de la tangente est de 1. Puis on en a une seule. Puis la basis 0 c'est la normale. C'est ça? Normal. OK. Après, on va partager entre différentes bases de tangentes. On va partager la base de tangente entre les différents layers. Donc, on va avoir notre base de tangente 0 puis notre base de tangente 1. Puis, on a dit que la 0, c'était la normale. Cool. Dans le fond, on s'est spécifié. Fait que ce que je comprends dans le material header, c'est qu'on s'est spécifié où est-ce que qu'est-ce qui allait être correspondant à notre normale. OK. Puis ensuite, ce qu'on voit en rose, on a des closure header, des closure data pour trois. Je pensais qu'on avait deux layers. Là, fait que là, ça dit trois. Là, il te montre à gauche la topologie. Donc, tu as deux slabs horizontales et par-dessus, tu as le clear Ah! coat avec le glint OK, j'avais pas vu, mais oui, ça fait full de sens. OK. là. On a trois slabs. Excellent. On a deux layers, trois slabs. OK. C'est ça. Fait que là, ça va nous montrer nos closure data pour les trois slabs. Notre base de tangente, son ID 0. Est-ce que c'est le top layer? Parce que dans le fond, on a un boolean qui nous permet de savoir si c'est un top layer ou pas. Ça dit qu'il n'y a pas d'anisotropie. On conserve notre F0 dans le closure data. Notre diffuse albédo, notre roughness et le mean free path. Parce qu'on a du volume et tout. C'est lourd, hein, OK. Ça prend 76 bytes, vraiment, hein? oui, par pixel, là, ça prend vraiment beaucoup de données. Faut pas que ce soit full screen, hein, t'sais. Mais tu vois, c'est ça le genre de choses où est-ce que, tu sais, quand que je dis, fait que déjà, là, mon commentaire tantôt pour le mobile était au niveau de la performance runtime. Mais ça, là, ça fait crasher, là, un appareil mobile. Mais en même temps, ils ont dit leur but, c'est que sur mobile, t'es une closure par pixel, mais c'est certain que c'est une closure qui n'est pas 76 bytes. Je pense que au mieux, ils ont simple ou single. Je dirais c'est le ça doit être une limitation de la plateforme. Ouais. Après, il y a un exemple. J'allais regarder la slide 72. Là, je sais qu'on est overtime, mais j'étais curieuse. Puis là, on se rend à des memory footprint de 100 bytes. Byte, man. Y a-tu 200? Non. Sûrement, On fait-tu le 100 mais bytes ils nous puis l'ont après promis. on close? Ou ça te va pas? Oui, À faisons ça. qui? Allons voir le 100 bytes. Ouais, parce qu'après, on est d'accord que si tu en es à 100 bytes ou même 76 et que ça représente, ils avaient dit un espèce de 20% de ton écran. Admettons que tu es un 1080p et après tu upscales vers du 4K. C'est quand même lourd ton gbuffer, hein? C'est pas il y a pas l'humain, il y a rien, c'est juste ta scène normale. C'est pour ça que je suis critique depuis tantôt, là. Écoute, j'attends de voir c'est quoi le premier jeu annoncé avec ça parce que je veux les tips and tricks.
Après, mais il y en a peut-être déjà un. Il faudrait qu'on fasse nos recherches parce que je ne suis, suis pas au courant. Fait que, on va faire notre petite recherche durant la semaine puis on vous revient avec ça la semaine prochaine. Oui, c'est ça. Envoyez-nous un message aussi. Hein, c'est correct. OK, donc maintenant, on va voir un layout qui est spécial. Ouh, il n'en avait pas parlé depuis tantôt. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit trois slabs l'une sur l'autre. Une très rugueuse avec une microfacette, je suppose. Deux autres qui ont du glint, du spec. Souvent, par exemple, il dit, c'est ce qu'on va retrouver quand on va vouloir faire de la peinture de voiture. Hein. Quand des effets de glint qui sont orientés, on se rappelle, qui ont un espèce d'effet laiteux, pearlescent, c'est opalescent en français. Et donc, c'est comme si on avait trois layers l'un par-dessus l'autre. En tout cas, c'est comme ça qu'on sait le représenter. Donc là, on a plein de closures différentes. On a à peu près toutes les features qui sont enablées. On a des glints et on a une lookup table spéciale pour le spec. On va toujours se retrouver avec notre material header. Par contre, on n'a qu'une seule base de tangente. Pas non plus prendre 108 bytes, hein, ce serait trop. qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit, ouais, c'est ça, on a ici 92 bytes juste pour finalement le data qui va être nécessaire. Là, alors, il met 4 slabs. C'est quoi? C'est qu'on a probablement du horizontal mixing, mais il n'est pas illustré dans sa topologie. Ouais. Ouais, je ne sais pas si c'est, c'est une erreur d'affichage ou si. Si ce bout-là, là, avec les microfacettes, si ça change de quoi. C'est la BSDF différente entre la diffuse et les specs, et peut-être qu'on va dupliquer le matériel. Je suis assez curieuse. Ouais, parce qu'on a BSDF count 2. Ok. Bon, j'en sais rien. Voilà ce que ça veut dire. Voilà ce que ça veut dire. Je sais. Ça, c'est mais pas plus. 100 bytes. Ça, je le sais que c'est lourd. Myriam, est-ce qu'on se retrouve la semaine prochaine? Je ne sais plus si on a de quoi, qui, disons, des empêchements déjà de prévus, avant des imprévus. Non, on n'a pas d'empêchement prévu. On est au rendez-vous la semaine prochaine, même heure. Parfait. Non, de mon côté. Yuri, toi? De même, c'est de même jusque-là. Un gros merci, Myriam. Un gros merci, merci aux viewers. Merci à toi. Merci aux viewers. Et puis, petite astuce, il y en a qui m'ont dit « Ah, mais je rate le début des lives. » Quand on est follower, des fois, la notification ne s'affiche pas. Il faut cliquer sur « Activer les notifications ». C'est une petite cloche. Ça vous permettra d'être prévenu sur votre mobile ou si vous êtes sur Twitch. Hop, attention, Shinies and Shadows part en live. Et vous pouvez juste cliquer sur aller voir, et lire, et regarder, et passer du bon temps avec nous. Oui! Puis, des fois, c'est gênant, mais n'hésitez pas, hein, si vous voulez, ben, soit juste nous dire allô dans le chat, ou nous poser des questions, nous expliquer des choses. Des fois, c'est vous, les viewers, qui connaissez plus de choses que nous. Nous, on n'a pas la prétention de dire qu'on connaît tout. Fait que, n'hésitez pas à nous écrire. On va vous lire. Ouais. Sinon, c'est correct. C'est là pour ça. Ça peut être anonyme aussi. Il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez participer, n'hésitez pas. Exact. Et puis, moi, je vous retrouve jeudi à 18h, heure, on va dire, d'Europe de l'Ouest. Et je suis en train de regarder en ce moment l'équation de transfert radiatif et les différentes simplifications. Donc, comment il fait pour partir de l'électrodynamique quantique vers quelque chose de simplifié. Et je suis sur ce chemin-là. J'étais étonnée moi-même de comprendre. Donc, c'est très bien expliqué dans le livre, je te le dis. Excellent. Donc, à la semaine prochaine ou à jeudi?
Oui, bye bye.